va, j'ai été à l'hôpital. Ah, enfin, elle est là. Oui, je faisais quelque chose dans la chambre. Pourquoi? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, si je veux qu'on se parle là, c'est à cause de notre mari Kofi. Bon, hier c'était ton tour. Et raconte, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Tu viens de dire hier c'était mon tour. Ça fait un mois, je dis bien un mois, que notre mari Kofi ne me touche plus. Il ne fait que ronfler dans la chambre. Je ne comprends plus rien. Au moins, tu es sa chouchou Edwige, sa préférée. Grande soeur, quand il vient dans ma chambre, il ne fait que faire des rondes. Quoi? Tantôt c'est la télé, tantôt c'est la radio. Moi, il ne me touche plus. Hein? C'est plus grave que ce que je croyais. Oui. Mais je crois que bon, avec moi, je suis devenue vieille, je traîne avec un troisième pied. Qui ne s'occupe plus de moi? Je crois que Kofi a une fille dehors. Quoi? Une autre femme? Ah non. Une quoi? Grande soeur, ça va pas se passer comme ça. Moi, Edwige, je vais pas me laisser faire. Grande soeur, c'est quoi cette histoire là? En tout cas, je ne crois pas. Je ne suis pas très sûre. Bon, calmez-vous. Vous savez, la vengeance là, c'est un plat qui se mange froid, même glacé. Tu as raison, grand frère. Ce qu'on va faire, c'est de s'enquêter pour voir si ce qu'on imagine là, c'est vrai. Donc, si c'est ça, je vais commencer par faire l'enquête. Si réellement. Hein, je dis bien, si réellement, Kofi a une autre femme dehors. Grande sœur, ça va chauffer dans cette maison. Non. Laissez-moi faire. Si y a une fille, laissez-moi faire. L'expérience fait la différence. D'accord. Ok. Avant que Kofi ne se réveille là, chacune va vaquer librement à ses occupations. La nuit, on se retrouve dans la chambre d'Edwige pour faire le bilan. D'accord? D'accord. Ok. S'il a une autre fille là, il va me sortir. Elle va chez moi. Ça va. Santé. Bébé, ça va pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout contente de toi. Je suis très nerveuse. Pourquoi quand on doit se voir là, tu dois m'inviter pendant les soirées et dans les nuits? Hein? Pourquoi ne pas m'inviter en pleine journée? Je t'ai fait quoi? Si tu dois venir chez toi là-bas, c'est dans la nuit. Mais est-ce que quand on se voit dans la nuit ou dans le jour, est-ce que ce qu'on fait là, c'est pas la même chose? Enfin, mais c'est pas la même chose. C'est quoi? La différence, c'est quoi? Quand moi, je suis là pour venir tout le temps dans la nuit. Mais c'est la nuit, les bonnes choses se passent. Non. Les bonnes choses là, c'est dans la nuit. C'est pas vrai. Si tu as constaté, quand on vient, je ferme la porte du salon. C'est la même, tu dois m'expliquer ça. Tu sais, mes femmes de nuit là, la journée se transforme en serpent. Femmes de nuit? Oui! Moi, il faut que je te dise ça, tu vas avoir peur. Mais comme tu insistes, il faut que je t'explique. Attends, femmes de nuit? Des femmes de nuit, les mêmes. Des trois femmes de nuit. Mais comment est-ce que tu es créé? La nuit là, là, elles sont tranquilles. La journée, elle se transforme. J'ai trois femmes de nuit. Moi, j'ai trois femmes de nuit. Donc, dans la journée, elle se transforme en serpent et puis elle se balade dans. Serpent? Oui. J'ai toi là-bas? Oui. Donc, tu me protèges je alors? Je te protège. Ah non, moi, c'est pour ta sécurité que j'ai fait ça. Tu vas aller chez moi dans la journée, c'est quoi? C'est bien? Ok. Bon, ça va? Ça va? Oui, ça va. Mais comment vous pouvez répondre? On a oublié, à chaque fois on a oublié de faire comme super. Quand on dit ça va, il y a pas quelqu'un qui dit oui, ça va. Ça veut dire quoi ça là? Vous, en fait, vous-même, vous foutez quoi dans la maison ici même? Vous foutez, c'est quoi vous faites dans la maison ici? Au lit, zéro. Cuisine, zéro. On vous salue aussi, zéro. Oh, ben vraiment, il y a ceci à trouver, hein.
Bon. Vous n'êtes pas sans savoir que vous valez rien au lit. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes plus que nul au lit. Quand vous criez, non, il me touche pas, il me touche pas. Moi, je peux pas toucher quelqu'un qui est nul. Quelqu'un qui est nul au lit, moi, je vais toucher comment? Tu n'as pas à vous apprendre. Je vais vous apprendre quoi? Mais il fallait apprendre ça avant de venir, avant de venir vous marier. Donc, moi, je vais vous donner une seconde chance. Et la dernière, d'ailleurs. C'est quelle chance? Vous allez vous entendre. On a fait candidat unique. Candidat unique. C'est-à-dire, vous allez choisir une parmi vous que je vais former. Je suis obligé de former. Même s'il faut acheter des livres, des CD ou autre, je vais former la personne. Et peut-être à son tour, elle peut former les autres. Sinon, moi, je ne peux pas. À ce stade-là, je n'ai pas le temps de former tout le monde. Et c'est comme ça que peut-être que vous pouvez regagner vos foyers. Sinon, actuellement, vous êtes là, mais c'est comme si vous n'êtes pas là. Voilà. Bon. Mes soeurs, moi je suis de la vieille école. On m'a appris à obéir à mon mari. Voilà ce que vient de dire notre mari. Et c'est, moi je suis déjà vieille. Je ne peux plus prétendre à ce qu'il dit. Donc essayez de voir entre vous deux qui peut répondre à ses besoins. Grande soeur, on n'a même pas besoin de voir ça. Aujourd'hui c'est mon tour. Donc c'est à moi qu'il doit montrer. Ma chérie, détrompe-toi. Et pourquoi? Hier, c'était mon tour. Mais il n'a rien fait. Donc, je le récupère aujourd'hui. Tu as bien dit quand? Oui. Hier, c'était ton tour, mademoiselle. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Eh, arrête. Je vais rattraper le temps perdu. Donc, détrompe-toi, ma chérie. Kofi, aujourd'hui, que tu me touches ou pas, tu dors avec moi aujourd'hui. D'accord? Mademoiselle, aujourd'hui c'est mon tour. S'il te plaît, c'est madame. Hein? Madame qui m'a donné c'est passé. Mon tour. Ton tour est passé. Bon, c'est bon, le film est fini. C'est bon. Le film est fini. Il n'y a plus de candidates. Quoi? Chacune, celle qui sait qu'elle peut aller apprendre quelque part, si vous voulez aller apprendre dans la rue, c'est qu'elle est sûre, il n'y a plus de candidates. Si, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous entendre dans quelque chose, quoi. On vous fait une proposition de sortie de crise. Vous ne pouvez même pas vous entendre. Mais c'est pas possible. Chérie, ton téléphone est en train de sonner. Allô? Ok, à tout à l'heure. Bon. C'est quel téléphone bizarre qui t'appelle à l'heure là? C'est à quelle heure on appelle? Il fait déjà nuit, chérie. Hein? Bon, mais chérie, nous devons obéir à notre mari. D'accord? Allons dans nos chambres, chacune cette nuit. Comme ça, demain, on va essayer de régler cette histoire de tour de jour. On va gérer ça après. D'accord? Tu vois, tu vieillis, mais tu as de bonnes idées. Continue. La femme doit toujours obéir à son mari, sinon on finira par le perdre. Allons-y. Parce que moi-même, vous n'êtes pas loin de me perdre même. Vous n'êtes pas loin de me perdre. Okay. Vous allez me perdre comme ça un bon matin. À tout à l'heure, chérie.
qui d'entre vous a fait ça? Hein? Qui a fait ça, ça? Hein? Mais c'est quoi? Préservatif, tu me demandes quoi ça? Tu ne connais pas ça? Hein? Anna, grand soeur, hier on était partis toutes se coucher. Oui. Et on tu as trouvé ça où? Au salon. Au salon? Oui, au salon. Préservatif au salon? Oui. Et qui? Qui a mangé comme? Comme? Entre vous là, qui a mangé comme hier? Mais hier on a préparé du riz. Et je vois comme et puis deux fourchettes sur la table. Hein? Moi je ne peux pas accepter ça. Qui a fait ça? En tout cas, personne d'entre vous. Dites-moi, Kofi a passé la nuit avec toi hier? Non. Et toi? Moi non plus. Mais moi aussi non plus. Hein? Donc Kofi a osé amener une autre fille dans cette maison? Une autre fille? Non, calmez-vous, je ne crois pas. Ça doit être Mami Wata. C'est ce qu'il nous a dit. Est-ce que moi... Grâce, arrête ça! Arrête ça! Mami Wata! Mami Wabo, ouais! Hein? On te trompe dans cette maison, tu ne dis rien, c'est toi toujours! Hein? Tu es qui même, grande soeur? Moi, je ne peux pas me taire. Trop, c'est trop. Ah ah! Yo. Donc, si on comprend bien, le Mami Wata de notre mari là, et tu es capable de Wata. Et ce que moi je sais, c'est ce qu'il nous a dit. Et je dois croire à mon mari. Crois-le. Ouais, crois-le. Crois-le. Je le crois. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je le crois. C'est ce que tu as fait. On t'a encore ajouté une. Encore moi. C'est... Hey. Crois-le. Ah, vraiment. Excusez. Excusez. Ah, bonne arrivée, monsieur Globo. Merci. Prenez place. Oh là là. Bonne arrivée. Merci. Prenez place, monsieur Globo. C'est très chaud, hein? Oui, comment vous allez? Ah, ça va, ça va. Et la maison? Tout le monde va bien. Je vous fais quelque chose. Oh non, 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 non. Merci. Ok. Bon, et Kofi? Il est parti au boulot. Et Kofi, hein? Il est parti au boulot. Ah. Oui. À l'église? Il est parti à l'église. Au boulot. Oui. Au boulot. Ah, au boulot. Et tes co-épouses? Oh, elles sont sorties. Ah bon? Donc tu es seule? Toujours la même chose, monsieur Globo. Il me laisse toujours dans la maison seule. Anna, il y a quoi? Il ne me touche plus. Oh Anna, ça va. Il est resté toute seule dans la maison. Et Kofi, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Kofi a beaucoup de femmes dehors. Hein? Oui, il a beaucoup de femmes dehors. Beaucoup? Pas une femme. Ah. C'est moi qui t'ai. Le 3 mai, on était ensemble. Il a dragué une aveugle. Aveugle? Kofi draguait aveugle. Aveugle, hein? Comment? Aveugle. Aveugle, c'est ça que j'ai. Parce que je me suis dit, toi, tu as beaucoup de femmes chez toi à la maison. De belles femmes. Et maintenant, pourquoi tu dragues? Ah, ça va, ça va. Console-moi. Ça va aller. Console-moi. Console-moi. Je suis là, plus facile. Ça va aller. Chérie, bonne arrivée. Qu'est-ce que je vois? Chérie. Globo. Qu'est-ce que j'ai vu là? Non, Kofi, je n'aime pas ce que tu crois. Hein. Sinon, Mais Anna, regarde comment tu as quitté la maison. Je n'ai rien fait. Facilement comme ça, tu t'es fait virer de la maison comme ça. En fait, actuellement, tu es là. Hein. Tu penses que tu es là, mais tu es parti. Non, chérie, je suis toujours là. Non, tu crois que tu es là, mais tu es parti. Mais c'est pas possible. Non, toi, tu es devenu un Ness ami. Hein. Tu es Ness à cause ami. De femme, à cause de femme. À cause de femme, là, c'est ta femme. Mais on est amis depuis l'enfance et tu peux pas. C'est une femme, hein? Anna, tu sais ce qu'il faut faire? Globo, à partir d'aujourd'hui, si tu me vois là, faut même pas me dire bonjour. Même bonjour, même faut pas me dire. Non, 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 non. Oh, bien sûr.
Ophi, tu veux pas me faire ça? Quand même, hein? Quand même! Bon okay, arrivé. Bonjour. Bonjour. Bon arrivé. Merci. On dit quoi? Ça peut aller. Ça va chez toi? Ça va. Je peux? Pas toi. Et enfin, tu m'as invité pendant la journée. Mais je t'ai dit, je t'ai promis que ça va venir avec le temps. Ok. Bon, tu m'as appelé pourquoi? Bon, je t'ai appelé, comme tu dis, je t'invite jamais chez moi dans la journée. Mm-hmm. Bon, voilà pourquoi je t'ai appelé. Et puis, bon, en fait, moi je vis ici. Moi je vis ici, c'est ici que je vis. Bon, c'est, je vis ici quoi. Ouais, tu vis ici, je vois. Je vis ici, mais Ahmed, deux femmes. Deux femmes? Ah. Donc, en fait, avant même, c'était trois. J'ai fait un effort jusqu'à, par la grâce de Dieu, j'ai pu chasser une. Quoi avant? Oui. Ah bon. Et les deux autres? Mais elles vont partir. Elles sont en voie de partir. Ah mais bon. C'est, en fait, tu sais, des femmes comme ça pour trouver des arguments pour les chasser, c'est pas du jeu. Arguments? Elles sont rusées. Rusées? Toi, tu ne peux pas les chasser. Je vais les chasser, je te jure, je vais les chasser. Mais il faut, quand je t'ai vu, c'est là où j'ai eu une idée en même temps. Une idée? Oui. Et c'est quelle idée? Ça c'est sûr, et quand on fait ça là, tu vas voir ma partie. C'est vrai? Bon, le plan est que, de toute façon tu es assise là. Oui. C'est pas toi. C'est pas moi. Tu es assise hein, mais c'est pas toi qui es assise là-bas. C'est qui alors? C'est Mami Wata. Mami Wata? Moi? Qu'elles vont venir, tu sais, elles ont peur de Mami Wata, elles ont peur des histoires, du. Les trucs bizarres, ils ont très peur de ça. Bon, toi, quand ils vont venir, toi, tu es Mami Wata. Quoi? Mami Wata. Moi, Mami Wata. Ah bon? Et moi, viens te voir, moi, je vais dire, je vois rien. Donc, c'est comme ça que tu vas habiter ici. Oh, je vois. Ok. Je comprends. Je vois. Ah. Mami Wata. Bonjour chérie. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Ça va? Elle c'est qui? Elle qui? Mais c'est qui est assis à côté de toi? Toi tu vois qui est assis à côté de moi? Toi tu vois quelqu'un à côté de moi ici? Tu vois, vous voyez quelqu'un à côté de moi ici? Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas une fille à côté de toi. Ah, mais si vous dites une fille, bon là, sûrement, elle est comment? Elle est comment? Elle est teint claire. Ah, mais si elle est teint claire, mais on n'a pas besoin de vous dire. Mais Mami, attends, je vous parle toujours là. Mais tu sais, depuis que vous avez commencé à être fidèle, et avec la fidélité de votre soeur que j'ai chassée, mais elle peut venir maintenant dans la journée pour ma sécurité. Elle peut venir dans la journée pour ma sécurité. Sinon, bien, je ne la vois pas, mais bon, le jugement, ce n'est pas son heure. Mais si elle est arrivée, c'est pourquoi elle est arrivée. Monsieur, il faut comprendre. On va la chasser avec le feu du Saint-Esprit. C'est ça. Et si vous emmenez le feu ici, c'est votre risque péril. Hein. C'est pas les Mami Wata d'aujourd'hui, ça, c'est Mami Wata avant. Vas-y, je rentre. Bon, faites ce que vous voulez, vous allez mourir. Fils, tu as parlé à ta fille? Oui, papa, joli. Mais elle ne m'a donné aucune réponse. Comment? Elle ne t'a donné aucune réponse. Elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Pendant des mois, je ne vois pas ma fille. Jolie! Papa! Oh, maman, tu es ici? C'est à cause de cette maudite pluie, hein? Sinon, j'allais sortir depuis. Regarde, je suis désolé. Dans ces conditions-là, je ne peux plus vivre avec vous. Je vous laisse à la maison. Mais, papa, qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Occupez-vous. Mais prenez vos responsabilités. Ah. Mais tu t'en vas comment? Je m'en vais. Maman, laisse-le aller. Mais qui va payer le loyer? Avec... Débrouillez-vous. Oh papa, vas-y, avec ces miettes de pension là. Mais c'est avec ces miettes de pension qu'il paie le loyer et nous donne à manger ici. Désormais, je vais payer le loyer. Tu as disparu et tu réapparais avec pendant 5 mois avec une grossesse dont nous ne connaissons même pas l'auteur. Maman, c'est pour ta réussite. Hein?
à cause de toi, Jolie. Ton papa a quitté la maison. Et tu es contente d'avoir brisé mon foyer maintenant, hein? Maman, c'est pas ce que j'ai programmé. Hein? Tu dis qu'il s'appelle comment même? Kofi. Kofi. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est bien passé là-bas? Maman, je t'avais dit ça, non? Je t'ai dit qu'il m'a dit de venir rester là-bas comme Mami Wata. Et il va m'épouser, il m'a tout promis. Il avait trois femmes, il a choisi une premièrement. Donc, je suis là comme Mami Wata. Les deux femmes me regardent, mais ne me regardent pas. Je suis esprit. Mais un jour, les deux femmes se sont rendues compte de Wata basé. Moi, ma fille, devenue Mami Wata pour quelqu'un. Sirène. Hein? Mais dis-moi, et cette grossesse, qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos de cette grossesse? Maman, il dit comme je suis Mami Wata, d'aller accoucher dans la mer. Regardez, regarde-toi. C'est ça même qui m'énerve dans l'histoire. Bon, dis-moi, tes amis façon qui venaient ici entre temps là, sont-ils toujours là? Ils sont là, ils sont au courant. Ils vont venir tout à l'heure régler ce cas. Ça tombe bien. Oui. Oui, entrez. Ariel, Yoli, on est quoi là? Ariel, big up. Ça va, maman? C'est chaud. Là, où il est le plaisantin? Toujours là-bas. Maman. Bon, les garçons. Oui, maman. J'ai une mission pour vous. Tu approches. Abonné, c'est propre. Ça c'est un petit truc. Kofi, l'homme fort. Vraiment fort. Vraiment, tu es le fils de ta maman. Kofi, s'il te plaît, ne nous refais plus un coup pareil. À un moment, on a même cru que c'était un vrai esprit. Je sais que je lui donne une telle gifle parce qu'elle m'a embêté. Moi, je l'ai surprise au téléphone. Il dit, mais esprit aussi parle au téléphone. Elle appelle qui? Non. Ton mari, là, il est fort. Regarde son visage d'ange. Vraiment fort. Je crois qu'il a déposé candidature pour l'élection 2015. C'est clair. Tous les hommes menteurs vont voter pour lui. Mon fille. Non. Kofi, là, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Heureusement que le calme est revenu. Venez là. Oui. Bonsoir. Où est le monsieur? Où est le monsieur? C'est lui. Oh, pourquoi tu me regardes? Bonjour. Hein? Y a quoi? Tu me poses la question. Vous êtes qui? Monsieur, c'est où tu avais fait ça? C'est lui. Quoi ça? C'est qui tu vois là? Vous cherchez qui? Vous pouvez rentrer sur les gens comme ça? Oui, vous connaissez ça? Ça veut dire quoi ça là? Hey. Vous me connaissez? Hey. Vous savez à qui vous avez affaire? Ah bon? Mais vous allez vous créer des sérieux problèmes, hein? Hey, salopard! Tu crois que tu es pire? Les deux sont pires que toi, hein? Ils sont pires que qui? Regardez le salopard! Ici là, nous on n'est pas venus pour s'amuser. Tu as compris, non? Tu es mouru? Non. Tu reconnais ça, mais tu ne reconnais pas? Il reconnaît. Celle-là, elle va rester ici toute sa vie. C'est ça. Tu as compris? On n'est pas là pour s'amuser. Elle fait quoi ici? Elle va rester ici, l'enceinte, elle va rester ici toute sa vie. Fais quoi? Ça. Jusqu'à ce que la vie termine, elle sera ici. C'est ça. Maintenant, ceux-là, c'est qui? Ce sont ces femmes-là. Ceux-là? Qui ça? Tes deux femmes-là, tes poutoutoufles-là. Mais quelles deux femmes? Il n'y a personne. Si c'est le vendredi, là, je suis entouré des esprits. Oh non. Mais quand nous venons t'entendre parler, non? Tu parlais à qui? Avec les esprits. Menteur. Yo, faut tes esprits, on va voir. On va voir si c'est un vrai esprit. Ça là, c'est esprit, tu es là. Faut tes esprits. C'est des esprits. C'est un vrai esprit. On va aller désenvoûter l'esprit là pour voir ce qu'il y a dedans. Yéli.
Mais attends, si vous voulez désinvouter la pardonnez, au moins désinvouter la oh. Non, nous on prend ça la palette désinvoutée. T'as pas dit que c'est esprit? Oui. Viens, viens ici là. Viens ici là. Pardonnez, c'est pas esprit, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est pas esprit. C'est pas esprit.